connu mon père, toi. Il n'était pas du tout gâteux, plutôt du genre hyperactif, autoritaire et tout. Mais à un moment donné, il s'est mis à me faire chier, tu peux pas savoir. Globalement, il m'a toujours fait chier, hein, mais là, c'est devenu autre chose, il m'a fait chier d'une autre façon. Et avant, il me demandait jamais mon avis, ou alors comme ça, pour me dire qu'il me l'avait demandé. Il me demandait de faire les choses, et puis moi, je les faisais. Et puis à un moment donné, il s'est mis à me demander mon avis, tu vois. Ce que je pensais de ci, comment je trouvais ça, ce que je ferais à sa place, etc. Puis des fois, il me demandait mon avis sur ses histoires de cul avec ses caissières, ses secrétaires. Je détestais ça, je trouvais ça dégueulasse. Lui, il continuait comme si j'étais devenu son pote, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. Puis à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, tu vois. C'était plus mon père que j'avais en face de moi. C'est comme si j'avais un môme, qu'il était devenu mon fils, que j'étais responsable de lui, que c'était moi le père, tu vois. En fait, c'est ça, tu vois. On fait pas gaffe, et puis un jour, on se réveille, et puis les choses vont changer de place. Passe-moi du feu. Passe-moi du feu. Ce qui est emmerdant dans ce genre de truc, c'est que tu peux rien y faire, hein. Tu peux gueuler, filer des coups de pompe dans les murs, ça sert à rien. Rien du tout. En fait, ça veut juste te dire que le temps a passé, que ton père a pris un coup de vieux et que t'as cessé d'être immortel. Tu crois en Dieu, toi? Non. Bah normalement, c'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire quand on n'y croyait pas. Et puis à un moment donné, tu comprends qu'il faut faire avec, quoi. Puis mon père est tombé malade et puis je me suis occupé de lui comme on s'occupe d'un enfant. Le torchais, je lui faisais à manger, je lui essuyais la bouche. Et le pire de tout ça, tu sais quoi, c'est que je voulais pas que ça s'arrête. Et l'année d'après, j'ai eu mon premier enfant, voilà.